Bonjour à tous, je suis Guillaume de Two Notes. Cette année, au Musikmesse de Francfort, nous présentons un nouveau produit pour la première fois en Europe, le Torpedo Cab. Two Notes a décidé de proposer des produits aux guitaristes qui souhaitent jouer avec leur pedalboard, mais qui voudraient avoir une config extrêmement légère pour aller en live ou jouer à la maison. Donc nous avons reproduit sur le Musikmesse un setup extrêmement simple, fondé sur deux types de préamples, donc un préamp d'inspiration Marshall qu'on vient d'entendre en introduction et un préamp d'inspiration Fender que je vous ferai écouter, une très légère réverbération et ensuite le Torpedo Cab qui embarque un simulateur d'amplificateur de puissance et bien sûr notre habituel simulateur d'enceinte et de prise micro. Donc on peut faire peut-être deux petits essais. L'idée, notre concept, c'est toujours d'avoir le plus grand respect possible pour la source, c'est-à-dire que là, on a entendu deux sons différents, donc c'est la même guitare Fender qui joue, et on entend bien les différences entre les préamps, donc on respecte le son des produits qui sont placés avant le Torpedo Cab. Et si maintenant, donc en partant du son à la Marshall, on rentre un petit peu plus dans les détails de la pédale, donc on part d'une... En fait, on va choisir un amplificateur de puissance, Et on a plusieurs paramètres, dont par exemple le choix des lampes de puissance. Donc on peut peut-être jouer un petit peu. Quatre modèles de tubes, deux types d'ampli push-pull classe AB ou single-ended classe A. On va ensuite pouvoir régler son volume virtuel, c'est-à-dire le faire plus ou moins saturé, jouer sur des réglages de présence, profondeur du son. Et ensuite, la partie décisive de la technologie Torpedo, c'est de pouvoir choisir le type d'enceinte. Donc on va en balayer quelques-unes. Une fois qu'on a choisi le type d'enceinte, on va choisir le type de micro. Donc 8 micros et aujourd'hui 45 enceintes, donc toutes les enceintes disponibles sur le VB101, le VM202 sont compatibles avec le Torpedo Live et le Torpedo Cab. Donc vous pouvez piocher dans la bibliothèque et embarquer jusqu'à 32 enceintes dans le cab. Bien sûr, nous avons toujours les possibilités de réglage, de placement du micro, de réglage d'EQ. Donc c'est un produit qui est simple à prendre en main une fois qu'on a compris le concept. C'est vraiment mettre à disposition des guitaristes un outil, deux prises de son identiques à ce qu'on pourrait faire en studio, en plaçant son micro, en choisissant son matériel, pour avoir un rendu que ce soit en façade, au casque, à la maison, puisque la pédale est équipée de sortie casque, sortie ligne symétrique, donc pour pouvoir attaquer une sono. Et ça prend un signal niveau ligne ou niveau guitare et ça sort niveau ligne ou niveau ampli, donc elle peut être placée dans une boucle d'ampli ou en fin de chaîne, c'est ce qu'on recommande pour avoir le meilleur son possible quelles que soient les situations. Donc le produit sera disponible avant l'été, certainement en juin, normalement en juin, et sera au prix public en France. Aujourd'hui on ne sait pas encore exactement, ce sera entre 450 et 490 euros TTC.